Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le premier épisode du Let's Play sur Super Mario Galaxy, jeu vidéo sorti en 2007 sur la Wii. Donc il s'agit du troisième opus des jeux Super Mario 3D. Il y a eu en tout premier Super Mario 64, ensuite Super Mario Galaxy, n'importe quoi, ensuite Super Mario Sunshine et enfin le Mario Galaxy. Donc, c'est un let's play que j'ai décidé de lancer suite à la fin du let's play sur Luigi's Mansion 3 qui s'est terminé il y a quelques jours. Donc, j'ai décidé d'en lancer un sur ce jeu. J'ai fait Super Mario Sunshine en 2021 et donc nous nous lançons aujourd'hui dans son successeur Super Mario Galaxy pour cette année 2022. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Donc me voilà sur l'écran du jeu. Donc j'ai appuyé sur les boutons A et B. Alors, vu la façon dont je suis assis, je risque d'avoir des problèmes pour pouvoir viser l'écran. Donc vous étonnez pas si j'ai un peu de mal au niveau du curseur. Donc je vais démarrer un nouveau fichier, le fichier numéro 3. Ok, oui. Bon, pour le moment tout se passe bien au niveau du curseur, mais à mon avis les problèmes ne sauraient tarder. Alors quel personnage vais-je prendre? Je vais prendre la tête de Mario, hein, voilà. Donc, voulez-vous choisir cette icône? Oui. Voilà. Et donc nous allons désormais commencer l'histoire. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète, qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château, où ils se transformèrent en super-étoiles. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles, qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Alors, cher Mario, je t'attendrai au château le soir du festival des éclats d'étoiles. J'ai quelque chose à te donner. Peach. Donc voilà, lorsqu'il y a des dialogues, enfin, lorsqu'il y a ce genre de choses, ce genre de texte, je vous les lis, hein. Donc, c'est ainsi que nous commençons directement. Alors, est-ce que c'est correct au niveau du cadrage? On dirait bien. Bon, après, c'est le premier épisode. Donc, si ce n'est pas terrible, ce n'est pas trop grave, hein, c'est un peu un test. Donc, je regarderai lors du montage ce qui va et ce qui ne va pas. Puis après, pour tout le reste, je verrai ça plus tard. Alors, j'ai quelques problèmes au niveau de la direction du Nunchuck, ça va pas me convenir. Donc, on dirait que c'est bon. J'ai pas trop perdu la main, sauf un moment que j'ai pas trop joué à ce jeu. Donc nous allons sans plus tarder commencer. Hein, donc voilà, hop, on se dirige vers la place centrale. Voilà. Princesse Peach, je te convie à assister à la naissance de la nouvelle galaxie que je vais créer. Tu peux remercier les étoiles.
Voilà, donc nous pouvons désormais un peu plus nous concentrer. Alors comment ça se fait que j'arrive pas à contrôler Mario, hein? Si jamais ça arrive plusieurs fois en plein jeu, ça va pas me convenir, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Les problèmes de connexion du Nunchuck à ma télécommande, oui, hein, ça va pas me plaire, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Ah. Voilà, au secours. Donc l'histoire, bah, c'est qu'en fait, bah voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il y a Bowser qui attaque le château de Peach parce que comme d'habitude, il veut la capturer. Et ça y est, plus qu'un bâton de batterie, bravo. Que c'est que ce bazar? Bah ça y est, j'ai plus de batterie dans la télécommande, oui. Donc je vais devoir la recharger, bien évidemment. Merci bien. Ah, c'est bon. Alors, ça y est, tu te réveilles. Alors, viens jouer avec nous. Donc, je vais enfin pouvoir commencer, ne serait-ce qu'un petit peu, à jouer. Donc, voilà, évidemment, il y a toujours pas mal de cinématiques au début. Donc, là, c'est un peu le tutoriel, hein, c'est le début du jeu. Rien de bien folichon pour le moment, mais c'est après que nous allons découvrir pas mal de choses. Du coup, durant ce premier épisode, il n'y aura pas énormément de choses, hein. Voilà. Ce sera surtout à partir des épisodes prochains, à partir du numéro 2, que là, nous allons vraiment commencer le jeu à proprement parler. Donc, je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. Donc là, il faut faire une sorte de partie de cache-cache avec des lapins lunaires. Donc, hop, en voilà déjà un. Clac. Alors, par contre, autant vous dire que si j'ai des problèmes de batterie, de ma télécommande, oui, parce que j'ai dû en changer, parce que c'était le chargeur qui n'allait plus. Si j'ai des problèmes de batterie, ça va pas le faire, hein. Parce que j'ai remarqué que ma nouvelle batterie n'est pas forcément bien au point. Donc, si jamais j'ai des problèmes de batterie, ça va vite m'énerver, ces bêtises, hein. Oui, voilà, allez, hop. Donc, évidemment, c'est d'une simplicité assez déconcertante parce que les Lumas, enfin les lapins qui se transforment ensuite en Lumas, nous indiquent où se trouvent les autres. Donc il a dit zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Et ben hop, faut aller voir dans un trou. Là, je suis parti dans un tuyau. L'autre, il me répond, voilà, j'aurais dû me cacher dans un trou. Et en plus, le trou, il est indiqué en rouge dans les phylactères qui apparaissent.
Donc il suffit de chercher un trou et hop, il y aura un lapin à trouver là-dedans. Faut-il pour autant trouver un trou, hein? Ah, donc ce n'est pas là-dedans, ça doit être dans un autre trou. Donc Super Mario Galaxy, on est en face de mon Super Mario 3D préféré, hein. C'est le tout premier Super Mario 3D auquel j'ai joué et c'est celui que je préfère d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie particulièrement, notamment pour la variété de ses niveaux. Pour la variété de ses niveaux, son gameplay toujours très intéressant, les niveaux tous très intéressants, toujours très plaisant à faire, les étoiles à récupérer, enfin tous, ça dépend, enfin toutes les étoiles ne sont pas forcément très agréables à récupérer, mais la plupart tout de même sont de belles expériences, hein. Donc maintenant nous devons aller aider la mère, soi-disant. Deluma. Hein. Je t'observe depuis très très longtemps, depuis cet endroit, le portail céleste. Mon nom est Harmonie, je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Je te confie ce Luma. Voilà, donc nous venons d'acquérir le pouvoir du tournoiement. Il faut agiter la télécommande, oui, pour pouvoir tournoyer, donc. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça commence à me courir, ces manettes là qui perdent leur batterie là en 2 secondes. Ouh, ça va être chouette cet épisode. Bon, excusez-moi, j'ai quelques problèmes au niveau des batteries de ces foutues télécommandes. Oui, ça va m'énerver, ça va m'énerver tout ça. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc, avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. Voilà. Et donc, nous avons Harmonie là qui disparaît comme ça. Hein. C'est très mystérieux quand on ne connaît pas l'histoire. Mais bon, ce jeu est sorti en 2007. Hein. Donc, je ne vais pas hésiter à vous spoiler s'il le faut. Hein. Alors, quand tu vois une chose à l'air fragile comme celle-là, agite la Wiimote pour tournoyer. Et si tu touches un ennemi en tournoyant, il sera assommé. Il sera assommé. Donc, il faut que je secoue la télécommande, oui, comme c'est indiqué en bas à droite de l'écran. Et hop, ça se détruit. Donc, ceci est un anneau étoile. Il sert de base de lancement pour s'envoler d'une planète. Place-toi à proximité et agite ta télécommande, oui, pour voyager à travers les étoiles. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça ne veut plus fonctionner maintenant. Ouh, ça va m'énerver. Ouh là là. Ouh, au secours. Au secours. Allez, envole-toi vers les galaxies. Je te souhaite de tout cœur de réussir. Non mais ce let's play, je sens que ça va être encore un calvaire interminable, quoi. Mais cette fois-ci, ce sera pas un calvaire à cause de ma façon de jouer. Parce que ce jeu, je connais très bien, je pense jouer un minimum correctement. Non, ce sera un calvaire à cause de la télécommande Wii avec laquelle j'ai des problèmes de batterie. Alors, je le sens venir, ça. À mon avis, ça va être encore chouette ce let's play. Vous allez voir des déconnexions du Nunchuck et de la télécommande Wii toutes les 2 minutes, quoi. Rien que. Bravo, hein, ça commence bien. Oui, j'ai gagné une vie. Hop, maintenant j'en ai 5. Mais de toute façon, dans ce Super Mario Galaxy, on est limité à 4 vies, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va éteindre le jeu et recommencer, eh bien, on va reprendre à 4 vies uniquement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les épisodes de ce Let's Play dureront environ 35 minutes, tout comme le Let's Play sur Super Mario Sunshine que je vous ai proposé de janvier, du 31 janvier 2021 au 12 juin 2021. Voilà. Donc ce let's play. Alors là, je suis en train de tourner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là en fait? Ah, il faut aller voir le Luma. Sors-moi de là, l'un des ennemis doit avoir la clé. Tournoie en agitant la télécommande Wii. Lorsqu'un ennemi est assommé, fonce dessus. Oui. Allez. Y a-t-il encore un ennemi? Ah voilà, c'est bon, j'ai parlé au Luma, du coup il y a un ennemi qui sort de nulle part. Hein.
Voilà, c'est bon, ça libère une clé, le Luma est libéré, nous pouvons désormais passer à la suite. Donc, cet épisode est tourné le mercredi 20 octobre 2021. Hein? Donc cet épisode, je le tourne seul parce que c'est le tout premier et que j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir filmer aujourd'hui. Voilà, j'ai pas forcément énormément de temps pour pouvoir filmer. Du coup, je ne tournerai que cet épisode 1 aujourd'hui, ce mercredi 20 octobre 2021. Par contre, les épisodes suivants seront tournés deux par deux, hein. Voire plus si j'ai vraiment la motivation et le temps, hein. Mais d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je tourne deux épisodes à la suite, hein, comme ça, j'avance assez vite de mon côté. Du coup, donc un certain nombre des vidéos que je vais vous proposer durant l'année 2022 seront déjà tournées en 2021. Donc ceci est une grande étoile, c'est notre ami. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile. Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine. Sauve la grande étoile. Oui, donc je vais sauver la grande étoile puisqu'on me le demande et que je n'ai pas vraiment le choix. Rien de bien compliqué comme d'habitude. Voilà. Oui, parce que ce Super Mario Galaxy n'est pas réputé comme étant un jeu compliqué, hein. Il est peut-être très amusant à faire pour tout un tas de raisons que je vous ai évoquées et expliquées. Non mais c'est bon, je sais qu'il faut marcher sur les panneaux interrupteurs pour pouvoir arrêter la machine. Je suis en train de le faire depuis tout à l'heure et c'est seulement maintenant que le Luma me dit marche sur les panneaux pour pouvoir arrêter la machine. Bah oui, je suis en train de le faire. Oh. Mais ça, c'est un script. Donc je récupère la grande étoile. Voilà. Donc j'aime bien ce jingle, hein, avec les effets de dorure de la grande étoile. En 2007, ce jeu était considéré comme très beau, hein. Bon, de nos jours, c'est un petit peu aliasé, hein. Là, je suis proche de l'écran. Là, je vois qu'il y a quand même pas, on voit quand même pas mal les pixels, hein. Voilà, il y a pas mal de jeux. Oui, c'est un petit peu aliasé, hein. Voilà. Un petit peu, voire beaucoup pour certains. Oui. Un certain nombre des vidéos qui seront publiées en 2022, en fait, elles sont déjà tournées en 2021. Hein. Voilà, parce que j'aime bien prendre de l'avance. J'ai envie de faire des vidéos sur ce jeu. Donc voilà, je prends de l'avance comme ça. Comme ça, je risque pas de vous proposer les vidéos en retard. Voilà, les vidéos seront publiées plutôt à l'heure en 2022 parce que j'aurai le temps. Hein. Parce que la plupart seront déjà tournées en 2021. Alors voilà, vous avez trouvé une étoile, portail céleste, la grande étoile emprisonnée, étoile x1, nouveau record, pièce x15. Voilà, 52 fragments étoiles, et une nouvelle galaxie a été découverte. Maintenant, on va passer au moment un petit peu pénible, hein, parce que voilà, c'est que du dialogue, c'est que du texte, c'est que du texte, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais lire tous les dialogues, je vais voir au montage, hein, voilà. Donc, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Luma devraient être rassurés. Tout cela, c'est grâce à toi et la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux. Ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Voilà. Donc là, on nous explique le contexte. Hein, voilà. Donc, nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de cet astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie. Oui, ce sont des super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé ce qui était cher se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée
ne nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis ces salles rondes que nous appelons des dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne nous permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles. Tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver des super-étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé des super-étoiles. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Vous voulez vous sauvegarder? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ah, c'est bon, tiens, pour une fois, là, je vois bien le temps. Là, nous en sommes à 20 minutes de mon côté. Mais, c'est vrai que je dois rajouter au montage l'introduction, enfin, le début de la vidéo. Donc, comme on nous l'a demandé bien gentiment, je dois me diriger vers le dôme de la terrasse. Bienvenue, ce dôme est un poste d'observation de l'espace, il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile crampon avec le curseur et appuie sur A. Donc voilà, nous avons un petit Luma bleu qui se transforme en étoile crampon, je le vise avec le curseur, clac, et là j'ai la carte des galaxies qui me sont à ma disposition. Donc les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme. Les nombres qui sont inscrits indiquent leur distance par rapport à l'observatoire. Autrement dit, la puissance nécessaire pour les atteindre. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. Alors j'ai remarqué, excusez-moi pour mes fautes de liaison, j'ai dit super étoiles alors qu'il n'y a pas de S à super. Hein? Ah oui, moi je suis bien pointilleux avec le français. Hein. Donc l'énergie caractéristique des super-étoiles a été détectée dans cette galaxie la plus proche de nous. Mais elle semble également être entourée d'une aura maléfique. Fais bien attention. C'est bon, est-ce que je peux enfin commencer? C'est parti, enfin. Voilà. Donc c'est seulement au bout de combien? 24 minutes à peu près, hein, que nous commençons le premier véritable niveau de ce jeu. Planète œuf, des planètes, des œufs et dino piranha. Voilà. Donc la première fois que nous commençons un niveau, nous ne pouvons pas passer la petite présentation qui nous est montrée. Donc nous allons atterrir ici. C'est bon. Voilà. Enfin, nous commençons le jeu à proprement parler. Hein. Voilà, je sens que ça va être chouette encore parce que là j'ai pas forcément l'habitude, je ne suis pas installé dans mon fauteuil pour jouer comme d'habitude. Hein. Non là, je suis sur ma chaise, très proche du téléviseur, pour que le son du jeu puisse être capturé grâce à mon micro-cravate. Donc les conditions de jeu ne sont pas forcément optimales pour que je puisse jouer de la façon la plus correcte qui soit. Hein. Donc on va essayer de récupérer un certain nombre tout de même de fragments étoiles. Donc les fragments étoiles, regardez, il suffit de passer le curseur sur l'écran et hop, c'est bon, on ramasse les fragments étoiles. Donc les musiques de Mario Galaxy, excellentes, hein, toujours excellentes de nos jours, en 2021 pour moi, en 2022 pour vous. Hein, hein. Toujours aussi bien. Voilà, toujours aussi plaisant à faire. Alors, je vais essayer, au lieu de parler au Luma, je vais essayer de... Hop. Voilà, j'ai directement pris l'anneau étoile sans avoir besoin de parler au Luma. Parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Parce que c'est de la perte de temps. Voilà. Donc hop, là ce qu'il faut faire, c'est récupérer les fragments d'étoiles. Dans les fragments d'anneaux étoiles. Donc oui, ce qu'il faudra souvent faire dans ce Super Mario Galaxy, c'est reconstituer un anneau étoile à l'aide de 5 fragments d'anneaux étoiles, comme vous pouvez le voir actuellement. Les anneaux étoiles, comme vous pouvez le voir, ils nous permettent de voyager d'une planète à une autre. Hein. Alors, dans ce Super Mario Galaxy, les notions de planète... Et de galaxies sont bien différentes par rapport à la réalité. Hein. Comme vous pouvez le voir, les planètes, des fois, ça peut être des astres tout petits, hein, et qui n'ont pas forcément
dégager les corps célestes qu'il y a à côté. Hein. Donc, hop, on va se diriger. Alors, on peut faire. On peut. Il y a deux chemins possibles. Soit je vais tout au bout. Soit je coupe ici, soit je passe par là, avec une plante piranha de couleur violette, sur laquelle je saute. Une plante piranha à épines, c'est pour ça qu'on peut pas lui sauter dessus de n'importe la... On peut pas lui sauter dessus n'importe comment. Voilà, il faut lui sauter dessus sur sa bouche. Clac, j'atterris là-dessus. Lui, hop, je tournoie, il va me libérer plein de fragments d'étoiles, que je considère comme de l'argent en fait, hein. Les pièces dans ce jeu, ça ne sert qu'à régénérer notre énergie. Hein, ça ne sert qu'à ça, les pièces. Sinon, les véritables éléments à récolter et à collectionner, hormis les super étoiles, ce sont les fragments d'étoiles. Hein. Parce que vous allez voir par la suite, ça va nous être très utile, notamment... À cause de goinfres Luma, parce que les Luma, ça mange des fragments d'étoiles. Et comme ça en mange, on a besoin de beaucoup des fois. Hein. Combien de temps? 25 minutes. Ben, on va bientôt s'arrêter, dites-moi. Hein. Donc ça va assez vite. Hein. Moi, je m'arrête de mon côté à... À combien de temps est-ce que je vais m'arrêter? 32 minutes. Ouais, je vais m'arrêter à 32 minutes. Hein. Bon, le problème, c'est que ça va pas forcément coller au prochain épisode. Hein. Donc là, premier niveau, premier boss du jeu. Voilà. Enfin, boss. Ça peut être ça, des mini-boss. Les boss, c'est lorsqu'il y a une galaxie, une galaxie qui est vraiment consacrée aux boss. Hein. Donc, c'est soit Bowser Junior, ou un boss conçu par Bowser Jr. Où est le curseur? Je ne le vois pas. Ah. Voilà, c'est bon. Moi, j'appelle ça des mini-boss. C'est une seule super étoile d'une galaxie en particulier qui correspond à un mini-boss. Alors que ce que j'appelle les vrais boss, c'est une galaxie tout entière qui lui est consacrée. À l'issue de laquelle on récupère une grande étoile. Dans les niveaux de Bowser Junior, on récupère une grande étoile. Et une seule grande étoile. C'est pour ça que moi j'appelle ça des Galaxy Boss. Et ça, ce sont des vrais boss. Si on dit le Piranha que je viens de combattre en à peine 3 minutes... Ça s'appelle ça des mini-boss. Donc tu as dû remarquer les éclats d'étoiles. Par exemple, là, il y a un éclat d'étoiles violet. On voit briller un peu partout, n'est-ce pas? On les appelle des fragments d'étoiles. Et nous, les Luma, en sommes très friands, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Donc c'est notre source d'énergie. Pointe l'écran avec la télécommande, oui, et vise-les avec le curseur pour les ramasser. Tu peux également les utiliser pour tirer sur tes ennemis en les visant avec le curseur et en appuyant sur B. Voilà. Le bouton B de la télécommande, oui, il faut bien que ça serve à quelque chose. Eh bien, c'est pour tirer des fragments d'étoiles. Donc, faisons un essai. Vise-moi et donne-moi des fragments d'étoiles. Tu veux bien. Donc, c'est ce que nous allons faire. Hop, je récupère tout. Et maintenant, je vise le Luma en question. Il s'appelle Chocostar. Ah, mais si je vise à côté, ça va pas aller. Voilà, c'est délicieux, excellent, c'est bon, voilà. Voilà, disons que ce sera mes rémunérations pour cette leçon. Les fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure, sois-en sûr. Tu peux les lancer sur tes ennemis, mais aussi les partager avec des Luma affamés qui t'en remercieront. Voilà, ce sont des goinfres Luma. Donc c'est bon. Nous en sommes à combien de temps? 28 minutes, on va dire que j'ai encore le temps de faire un autre niveau. Allez, c'est parti. Allez, nous continuons encore dans les planètes œufs. C'est parti. Deuxième super étoile. Alors, nouveau, un appétit cosmique. Donc les planètes œufs, c'est un exemple de galaxies que j'appelle des grosses galaxies.
Dans ce jeu, ce que j'appelle les grosses galaxies, ce sont les galaxies dans lesquelles on récupère 6 super étoiles. Il y a 3 super étoiles, on va dire, classiques. C'est-à-dire que je sélectionne le niveau, il y a un titre. Par exemple, là, le titre, en l'occurrence, c'est Un appétit cosmique. Je me dirige là où il faut aller, puis hop, je récupère l'étoile. Donc, il y en a 3 des... Il y a 3 super étoiles classiques dans les grosses galaxies. Il y a une super étoile secrète, hein, secrète, donc soit il faut effectuer une certaine opération nécessaire afin de pouvoir la découvrir, soit c'est avec Luigi, parce que Luigi a une certaine importance dans ce jeu par la suite. Et il y a donc, ça, donc ce qui nous emmène à 4 super étoiles. Et la dernière, enfin les deux dernières, hein, 4 pour aller à 6, eh bien ce sont les étoiles farceuses. Enfin les comètes farceuses. En effet, il y a un phénomène. Donc le phénomène des étoiles farceuses, c'est lorsque il y a une comète qui vient modifier la galaxie de façon différente. Et ainsi, soit pour les comètes, après je me souviens plus de la couleur des comètes, hein, ça c'est en rapport avec la couleur. Par exemple, la comète blanche, il me semble que notre énergie est abaissée à 1. La comète d'ombre, la comète bleue, il y a un double qui nous défie, on doit faire une course contre lui. Voilà, la comète rouge, le temps, il est imparti. Donc voilà. Il y aura souvent des comètes farceuses. Il y aura deux comètes farceuses par monde. Hein. Donc j'ai besoin de ça. Hop. Alors, une des deux comètes farceuses est une comète farceuse, on va dire normale, parmi celles que je vous ai énumérées, et encore il y en a d'autres. Et puis il y a également des comètes farceuses violettes qu'on débloque à la toute fin du jeu après avoir combattu le boss final. Il faut récupérer 100 pièces violettes. Hein. Et un saleté! Oh! Mais quelle saleté enfin! Allez, hop, il faut nourrir le... Ah, quoi? Il en faut 100? Oh là, bah attendez, j'ai pas ça moi. Hein. Donc... Vite, j'ai besoin du curseur. Moi, je pensais qu'il en fallait 50. Oh, attendez, c'est le double qu'il me faut, en fait. Allez, il m'en faut encore une cinquantaine. Hein. Et là, il me faut plein de fragments d'étoiles. Donc, ça commence bien parce que cette vidéo, elle va être plus longue que prévu. Bah, écoutez, tant pis. Hein. 18. Ça ne me suffit pas. 19. Ah bah, bravo! La vidéo sera plus longue que ce qu'il faut. Allez hop, je pars de l'autre côté. Excellent. Alors, 36, ça ne me suffit toujours pas. Ah, excellent. Il y a des. Donc voilà, comme on me l'a dit juste avant, il y a des Goombas. Il y a des. N'importe quoi, pas des Goombas, mais des Lumas. J'en ai 46, ça ne suffit pas. Il y a des Lumas qui. Zut. Il y a des Lumas qui sont des goinfres. Hein. Ils vont nous demander de. Ah, saleté! Ouh, saleté! Attendez là! Il faut pas que je meure. Hein. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Hein. 49, il m'en faut encore un. Je ne tiens pas à mourir d'ailleurs. Hein. Oui, parce que j'aimerais avoir ma première mort le plus tard possible. Donc ce serait bien que ça arrive plus tard. Bon, nous allons retourner sur cette planète. Normalement, il devrait y avoir encore des fragments d'étoiles dans le coin, non? Il va y en avoir ici. Voilà, c'est bon. Voilà, hop, le compte y est, le compte est bon, j'en ai 52. Je peux ainsi nourrir le Goinfreluma. Donc je vais viser ça comme ça.
Allez, hop. Ça y est, je suis repu, machin, transformation. Hop, c'est parti, clac. Regardez-moi ça, 34 minutes. Une nouvelle planète est née. Donc le Luma s'est transformé en nouvelle planète. Aïe, hein, parce que les Luma, ça peut se transformer en tout et n'importe quoi. Non, il faut lui sauter dessus. Lorsqu'on saute sur un Goomba, ça nous donne une pièce. Lorsque l'on tournoie à proximité d'un Goomba, ça l'assomme. Et si on lui donne un coup de pied dedans, ça l'éjecte. Ce qui nous libère 3 saletés. Ce qui nous libère 3 fragments d'étoiles. Voilà. Donc ça dépend de nos besoins. Si vous avez besoin de fragments d'étoiles, bien vous devez tournoyer à côté des Goombas. Si vous avez besoin de pièces, par exemple, pour régénérer votre vie, comme à présent, vous devez lui sauter dessus. Voilà. Donc alors, ce qu'il faut faire là, c'est quoi? C'est aller tout en haut, c'est ça. Hop. Donc toujours la palette de Mario qui est toujours présente. Hein. Bon, ce premier épisode sera un petit peu plus long que ce qu'il faut. Mais je pense qu'à partir du prochain, ça devrait plus ou moins aller normalement. À partir du prochain, ça devrait aller. Parce que là, je ne peux pas tourner le deuxième épisode à la suite. Parce que sinon, moi, je vous aurais dit, bah, je m'arrête là, en plein milieu. Puis hop, je reprends aussitôt lors de l'épisode 2. Hein. Sauf que non, cet épisode 1, je le tourne à part. Il n'y a que cet épisode 1 que je tourne aujourd'hui. Donc hop, là, ce qu'il faut. Voilà. Excellent, hein, la gravité, hein, gros point central de ce jeu. Extrêmement bien géré, extrêmement bien fait, voilà. Excellent. Ce jeu est excellent de toute façon. Hein. Saleté là. Ah, attendez, il y a des saletés ici. Voilà, j'ai récupéré la vie. Hop, clac, on se dirige là. Bon, ça suffit. Enfin, ça suffit. Ah, voilà. Bon, allez, hop. Les Goombas, on n'en a rien à faire. Ce qu'il faut faire, c'est avancer. Donc là, nous avons l'étoile qui émet de la lumière. Hein. La super étoile. Hein. Alors, là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits éléments de couleur bleue. C'est pour pouvoir créer une étoile crampon que je viserai avec le curseur pour pouvoir me rapprocher de l'étoile. Sauf que, de toute façon, l'étoile, on peut très bien la récupérer comme ça. Hein. Hop. Il n'y avait même pas besoin de faire apparaître l'étoile crampon, hein, grâce au fragment bleu. Il n'y a pas besoin de ça. Hein. Il suffit de faire une charge au sol, on tournoie, et hop, c'est bon, l'étoile est récupérée. Voilà une chose de faite, et c'est sur la récupération de cette super étoile, qui en plus, une nouvelle galaxie a été découverte, donc nous terminons cet épisode en beauté. Voilà, toujours dans la terrasse. Donc c'est ainsi que nous allons achever cet épisode. Voilà, nous avons découvert une nouvelle galaxie. Voilà, puis notre champ de vision s'élargira, voilà. Voilà, jusqu'à temps de découvrir la base de nos ennemis. C'est bon, donc voulez-vous sauvegarder? Sauvegarde en cours, ok. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode sur Super Mario Galaxy. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager, et à la prochaine !